Alors là, je pense qu'on peut désormais le dire, il y a bien une crise sportive et extra-sportive à l'Olympique de Marseille. Après le match nul très frustrant à Strasbourg, 2 buts partout, ça aurait chauffé entre un salarié du club et un supporter après le nul à Strasbourg. L'OM a concédé un nul frustrant sur la pelouse de Strasbourg ce samedi lors de la 13e journée de Ligue 1. Dans un contexte en interne, dans le sportif extrêmement tendu, Alexandre Nathan, le responsable de la sécurité du club marseillais, aurait manqué de se battre avec un supporter qui insultait Igor Tudor en tribune. De l'électricité dans l'air, le match nul entre Strasbourg et l'OM s'est conclu dans une ambiance très tendue. Après avoir mené 2 à 0 en première période, Marseille s'est fait rejoindre au bout du temps additionnel sur une reprise de volée de Kevin Gamero. Un scénario frustrant qui a déplu à Igor Tudor, alors que son équipe n'a pris qu'un point lors de ses 4 dernières sorties. Après la rencontre, le coach du club phocéen a rejoint le plateau du diffuseur afin de répondre en direct aux questions des journalistes. Et selon l'équipe, un spectateur restant en tribune s'est alors mis à invectiver bruyamment le technicien croate, un comportement qui a fortement agacé Alexandre Nathan, le responsable de la sécurité de l'équipe première de l'OM. Après avoir sèchement réprimandé le supporter en question, cet ancien de la DGSE aurait eu un échange musclé avec son interlocuteur, au point de devoir être calmé par des collègues pour ne pas en venir aux mains. La scène traduit le contexte pesant qui entoure l'OM ces dernières semaines. Après un début de saison plein de promesses, les coéquipiers d'Alexis Sanchez n'arrivent plus à enchaîner les bons résultats. Avant de craquer dans le Money Time en Alsace, ils ont été battus contre Lens, contre Paris et contre l'AS Ajaccio. Une mauvaise série qui les a éjectés du podium. Entre-temps, ils se sont offerts le droit de rêver en Ligue des Champions, malgré un revers sur le terrain de l'Eintracht Francfort. En cas de succès mardi au Vélodrome contre Tottenham, les Phocéens accéderont au 8e de finale. Ce serait une première depuis 10 ans, de quoi peut-être de calmer un petit peu les esprits.